Yo Ronald les amis, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo, ça me fait super plaisir de vous retrouver aujourd'hui. Ça fait un petit moment que je n'ai pas fait de vlog ou quoi. En fait, pour vous dire la vérité, j'ai filmé beaucoup de vlogs, mais je ne les ai pas encore montés. Enfin, je pense pas que je vais les monter, c'est dans la caméra encore. En tout cas, ça me fait super plaisir de revenir sur YouTube, de vous revoir. Aujourd'hui, je vais vous emmener avec moi. Je me suis réveillé assez tard, j'ai pris mon petit déjeuner. Et là, on va direct à l'ophtalmo parce que j'ai un rendez-vous pour mes yeux. Donc voilà, c'est parti. Oh là là les amis, je trouve vraiment aucune place de parking ici en ville, hein. Il y a vraiment du monde. Mais en fait c'est bientôt la rentrée, c'est pour ça, d'accord. Et vous, est-ce que vous avez déjà repris l'école ou vous êtes encore en vacances? Donc voilà, dites-moi en commentaire. Bon voilà les amis, j'ai fait deux fois le tour de la ville, bah, je n'ai pas trouvé de place de parking. Du coup la seule solution c'est aller se garer là. Le parking de Mariano Tejo, c'est gratuit en plus. Mais bon du coup ça me fait de la marche et... Ah c'est quoi ce scooter? Je suis quand même en retard, je crois là il est 10h je sais pas quoi là. Et j'ai un rendez-vous à 10h15 à l'ophtalmo. Comme d'hab, c'est pas grave, allez. C'est ça ouais, pile à l'heure. Oui ça. Une heure d'attente. Ah, une heure de retard. Bon, en fait, les amis, je viens tout juste de l'ophtalmo. Ils me disent qu'en fait, ils ont une heure et demie d'attente. Donc là, du coup, je sais pas quoi faire pendant une heure et demie. Il y a le ciné qui est ouvert. Non, j'ai pas le ciné quand même. Et donc, ben voilà quoi. Même au coiffeur, il y a quand même du monde et tout. Ça, c'est grenadine. Ouais. Non, c'est moins sucré. Ouais. D'habitude, grenadine, c'est hyper sucré quoi. Là, non, on les fait maison et moins sucré quoi. C'est bon. Et là, t'as les chips. Après, ça va être difficile de faire le choix. Ah non, les chi alors. Ça, j'ai goûté quand même pomme verte. Bon, les amis, en attendant mon rendez-vous, j'ai pris ce thé glacé pomme litchi, comme marqué là. Pomme litchi. C'est excellent ça. En fait je crois bien que c'est la rentrée aujourd'hui parce qu'en fait il y a beaucoup d'étudiants et j'ai vu des anciens profs aussi. En effet ben, c'est bien la rentrée. Bon courage à ceux qui reprennent l'école. Voilà les amis, je suis dans la salle d'ophtalmologie. Ici pour aller voir un peu l'état de mes yeux. A few moments later. Ah salut les amis, là je viens tout juste de sortir de l'ophtalmo. Oh my god, en fait je vois carrément rien du tout. Ah ça épuise carrément avec la lumière, vous voyez ça. Je dois aller marcher jusqu'à ma voiture et ensuite je conduis ben, jusqu'à chez moi quoi. Il y a des gens qui me regardent bizarrement. En fait je vois rien du tout quoi. Mais bon. Ah, oh my god, comment je vais faire pour l'entrée? Attendez, ah là là. Ah j'ai trop mal. Je vois rien. Bon attendez, je vais essayer d'aller voir. Les amis, je sais pas si je vous ai déjà dit en vidéo, mais en fait je vois rien du tout. En fait c'est naturellement, hein, c'est que je porte des lunettes. Et en fait si dans la rue par exemple, si vous me voyez que vous me faites coucou et que je vous réponds pas, bah, c'est que c'est pas que je cherche à vous éviter, c'est que je vois pas tout simplement. Donc n'hésitez pas à me crier fort et tout pour dire que c'est vous quoi, parce que sinon en fait je vois pas très bien. Et puis là en fait là c'est, on m'a mis des gouttes dans les yeux, je vois carrément pas. Et en plus je dois conduire, donc je vais vous montrer la technique. D'abord je vais mettre mes lunettes de vue pour voir de loin. Voilà. Et encore là, je vois encore flou. Et pour le soleil, je vais mettre des lunettes de soleil par-dessus. Vous avez compris la technique? Ah, les astuces de Teddy, les astuces de Teddy. Je vais aller chercher un document d'appoi à la mairie de Pirin. Et ensuite, je vais rentrer à la maison. Voilà, alors on se retrouve tout à l'heure. Ciao, ciao. Les petits chats. Je répète les pouces. Et c'est quoi comme plante? Ce sont des abios. T'as pris quoi, Tsunin? Yes. Ça, c'est ça en bois. Ah, ok. Donc là, on a Olympias, les amis, pour aller prendre des nunchaku pour mon frère. C'est un spécialiste maintenant, hein. Bon, les amis, il y a mon petit frère qui va vous faire une petite démonstration de nunchaku. Allez, c'est parti. Allez, Tsunin, à toi de jouer. Woo!
la pauvre plante. Donc là, on est avec ma popo, on est venu récupérer à manger. Un bon at miam miam. Nishemo komko. Une minute. Allez, on remet le compteur à zéro. Allez, Miti. Allez, Choneng. Allez, Lys. Attention, stop, c'est parti, 10 secondes. Allez, à fond. 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, start. Allez, allez, continue. Allez, stop, c'est parti, Choneng. Go, go, go. Choneng. Amiti. Ready? Prêt? C'est parti. Allez, dernier round. Amiti, on n'entend pas siffler là. Trois, deux, un, top. Ça y est, j'ai fait les trois rangs. Ça va, Elie, ça va, ça va, ça a été. Ça va. Allez Lily, c'est bien ça. Allez, allez, continue. Waouh, t'as battu ton record. Top là. Top là, maman. Top là, Tundine. Top là, papa. Oh. K.O. K.O. Pas K.O. On va pousser. Voilà les amis, c'est déjà la fin de cette vidéo, j'espère que vous aurez aimé. En tout cas, j'ai une petite nouvelle à vous annoncer ce soir, ou quand vous regardez cette vidéo, c'est que je vais tourner beaucoup plus de vidéos ces temps-ci. Ça me fait quand même du bien en fait de filmer, de se parler aussi dans les commentaires. Donc n'oubliez pas de me laisser aussi des commentaires, de liker cette vidéo aussi et de vous abonner à ma chaîne YouTube si ce n'est pas encore fait. Voilà, je serai beaucoup plus présent sur cette plateforme-là, sur YouTube. Je compte sur vous pour liker et partager cette vidéo-là. Je fais de très gros bisous et on se retrouve très 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 vite. Allez, ciao ciao, bisous. J'ai failli oublier, ça fait tellement longtemps que je fais plus de vidéos. Il me reste plus qu'à vous dire, prenez soin de vous, Maruru, Nana et à bientôt les amis. Ciao.